Écoutez, le groupe vit bien. Hein. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas là. Je pense que c'est ça le but de la question. Bamba a eu un petit choc hier, mais ce n'est pas méchant. Donc, les médicaux ont préféré le garder aux soins. Sadio également aussi, mais il va très très bien. Vraiment, il ne sent rien, il va très très bien. Peut-être que demain, il reprend l'entraînement. Ensuite, je pense que c'est Balotouré. Bon, il a des adducteurs. Bon, là également aussi, il est aux soins. Mais sinon, tout le monde est là. Ismaïla est là également aussi. Ismaïla, comment il se sent? Est-ce que, ah, il se sent bien, je pense que vous l'avez vu à l'entraînement. Il retrouve ses sensations et naturellement, il se sent très, très bien. Ah non, je ne pense pas, parce que vraiment, Tajidor, quand même, c'est un lieu qui nous a permis de bien nous épanouir, vraiment avec donc, un terrain à notre disposition. Et ensuite, on se sent bien aéré, vraiment, et où vraiment on a la possibilité de nous déplacer naturellement comme on veut. Et je pense que quand même, l'accueil également a été très, très, très chaleureux. Vraiment, on était très, très bien au soin ici. Et c'est vrai que bon, on va vivre encore pendant quelques jours à Yaoundé, mais ce ne sera pas vraiment le même cadre. Ça, c'est... Oui, mais écoutez, le contexte est différent. Je pense que le Zalang, quand même, n'est pas arrivé par hasard. Je pense que ça, on le comprend très, très bien. S'il est aujourd'hui donc, en quart de finale, c'est parce qu'effectivement, il a su montrer quand même qu'il avait effectivement des moyens qui lui permettaient d'y arriver. Et comme on dit, on respecte toutes les équipes, on n'a pas de personne. Mais ce qui s'est passé en 2012, bah, écoutez, je pense que c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est en 2022. Ben écoutez, comme nous l'avons fait pour les autres matchs que nous avons joués, comme ce fut le dernier match qu'on a joué contre le Cap-Vert, comme je l'ai dit, je pense que nous, on est très sereins. On se prépare, on compte sur nous-mêmes. On ne cherche pas à comprendre effectivement ce que l'autre fait. Nous ne mettons pas le nom devant l'équipe. Nous mettons simplement une équipe qui arrive à notre niveau, en quart de finale, qui est normalement une bonne équipe. Voilà, on compte sur nous-mêmes. Je pense que donc vraiment l'équipe qui a ramené, dès lundi exploiter les ressources aujourd'hui, je pense que commence à faire une dégue à travers cette canne là, et c'est sûr que ça va continuer également aussi dans les autres cannes, ça c'est clair.